Yo les gars, ça y est, la mise à jour est sortie à une vitesse dingue là, sur IE, enfin sur Android FR. C'est sorti hier ou avant-hier sur Taï, on a eu la mise à jour en même temps que les US a priori. Et ça va très vite, là ils ont vraiment pas le temps d'habitude, c'est en plus c'est le vendredi, presque le samedi, des fois on se fait avoir. Et là c'est sorti très très vite. Alors du coup, je n'ai pas encore regardé pour le nouveau talent, mais ça va se faire, je crois qu'on ira se choper rapidement. Du coup, on va aller faire un petit tour sur les deux héros. Et bon, comme d'habitude, je vais aller sur le compte de Light Raiden demain pour présenter ces deux héros maxés. Il a eu une chance de ouf. Il a eu ce nouveau héros qui est disponible simplement aux événements en 9 cartes magiques. C'est complètement ouf. Et c'est pas le pire. On a chez nous la Chronique, vous savez, un des meilleurs joueurs quand même du jeu. Il a eu en 6 cartes. 6 cartes magiques. Alors je sais pas s'ils ont une technique ou ils en ouvrent quelques-unes, après ils arrêtent le jeu. Bah non, normalement ça se met encore dans l'actualité. Enfin, ça se met encore en historique. Je pensais qu'il fermait le jeu, qu'il reconnectait. Mais non, 6 cartes magiques pour lui. Franchement, ils ont trop de chat. Ah, elle a vraiment pas beaucoup de vie. Elle, à mon avis, elle va falloir lui mettre esquive. J'ai vu un petit peu de gameplay avec elle, mais c'était du versus contre joueur. Du coup, au niveau des cibles avant, hein, je sais pas si c'est encore des bâtiments qui sont pris en compte ou pas, mais c'était bien ça. Réduit la vitesse d'attaque, le récup d'énergie et l'esquive de 86%. Réduire l'esquive de 86% d'un héros ennemi, c'est quand même énorme. Ça rend quasiment l'esquive totalement inefficace. Donc c'est assez ouf, surtout qu'on a des héros avec la précision déjà de base. Donc ouais, simplement pendant 5 secondes, mais quand même. Et augmente la vitesse d'attaque, le taux de récup d'énergie et l'esquive de tous les héros alliés de 86%. Augmenter ton esquive de 86% pendant 5 secondes, c'est ouf. Et régénère leur PV à 925% d'attaque. Non, non, franchement, c'est beaucoup, c'est vraiment bien comparé à ce que je pensais. Ce héros renvoie 50% des dégâts reçus et résiste aux étourdis. Ah, c'était ça, qu'on savait pas trop, le 50%. Ok. Inflige à sa cible aux unités ennemies alentour des dégâts bruts correspondant à 120% de l'attaque des héros. Il est bien aussi, lui. Hein. Il est quand même bien aussi. Ah là là, j'ai hâte. J'espère. Les derniers héros qu'on a eu, j'étais pas tant hâte de les avoir. Parce que le robot, je vois pas trop son utilité. Bon, il a beaucoup de PV comparé aux autres héros. Hein. Tu vas me dire. Comparé à eux, ouais, là ça fait 84 000, même si lui il a 84 000 aussi. Bon, je voyais pas trop l'utilité. Lui, il a l'air bien stylé quand même. Il a l'air de sniper assez sévère, mais là, les deux là ont l'air tentant quand même. Hein. Voilà, alors du coup, on a ça. Pour les gardiens, on va pouvoir aller voir aussi de mon côté ce que ça donne. Ils sont où là, les gardiens. Voilà, niveau suivant. Ah non, je peux pas mettre au niveau suivant tant que je n'ai pas fait. Des épreuves oubliées, donc on arrive au niveau 46, vous voyez. On se serait cru dans les Simpsons, la façon dont je l'ai dit. Hein. Bon là, mes héros ne sont pas du tout au bout du jour. Oh là. Bon, je pense que je vais faire une team vite fait, on va aller regarder ce que ça peut donner. Je vais enlever quelques héros là, qui vont pas forcément m'être utiles, on va plutôt mettre ça à la place. Atlanticor, tu peux lâcher l'affaire, je pense, et venir avec toi. Et... ouais, lui, je suis pas convaincu non plus, mais on va pouvoir mettre là, voilà, et ça. Voilà, je pense qu'avec ce genre de team, ça devrait quand même aller mieux pour ce genre de combat. Bon, a priori, voir si ça me débloque au moins les autres gardiens, ce serait quand même cool. Bon, je sais pas, on va mettre la pâtée directe, on va voir si mes héros résistent. Je pense que pour les premiers niveaux, ça devra aller. Ouais, bon, là, on a le renard qui a directement fait un sacré trou au milieu. On a quand même des héros qui résistent. Mais là, bon, là, j'ai pas un seul mort. Donc, à mon avis, ça va être largement faisable. On aura 425 gloires de cadeaux, 85 gemmes. Ok, oh, en plus, on a un x2. Ah bah c'est bien. Il reste plus grand chose, on va commencer à avancer. Je voyais que le renard ne déclenchait plus des masses. Mais ça va passer. Ah c'est bien d'avoir mis un petit x2 pour ça là. Ça évite de trop traîner. Bon bah vous voyez qu'on a des nouvelles épreuves. Bah, je pense que ça va être largement accessible. Hein. Nos héros sont devenus tellement forts que ça va être bien. Et je sais pas si c'est suffisant pour mes gardiens pour augmenter le niveau. Niveau suivant, non, je peux pas encore.
Va peut-être falloir augmenter et finir les derniers niveaux. Faut sûrement avancer dans ça. Et bon, j'espère que je vais faire ça assez rapidement. Je sais pas combien de niveaux. Bah on va regarder directement le classement. Il y en a qui ont dû tout faire. 54. On peut aller jusqu'au niveau 54, donc c'est pas plus mal. Je vais rapidement les enchaîner. Au pire des cas, si ça va assez vite, on peut se les faire entre nous là. Vite fait, bien fait, discretos. Hop. Oh non, mais avec les héros qu'on a, il y a même pas de défi. Enfin, je peut-être sur les derniers, mais c'est vraiment cool. Ah là, on se prend du dégât, fais-moi les malins. Encore plus avec Zephy, j'aurais peut-être pu mettre autre chose qu'un surchauffe, mais bon, là, on est en défense GDG, même si je me fais pas attaquer, pour aller un peu plus vite. Et ouais, mec. Là, c'est pas un petit paladin qui va faire la différence. Par contre, on a le lava qui a du mal à mourir. Ça va. Allez, encore 85 gemmes. C'est cool d'avoir des niveaux supplémentaires pour ce genre de défi. Bon, ce sera pas le principal de la mise à jour, hein, mais... Ah, ça fait des sacrées bases hein, quand tu regardes comme ça. Pop. Mais j'en ai mon jeu qui galère graphiquement. C'est fou. Allez, bon, je vais finir par avoir un mort quand même. Non, j'ai même pas Renard qui finit par lâcher l'affaire. Ils se prennent tous une quantité de dégâts. Pff, bon, si ça finit par faire mal, je vais mettre le Zephy. Oh, si, Renard. Bon, y a bien un jour où tu vas te prendre des renvois de dégâts, mec. Hein. Mais bon, le satyre est là, il va pouvoir te réanimer. Et on n'en parle plus, il y a du million de dégâts. Oh, il y a vraiment trop d'animation, mon PC il galère pour faire ça. Oh, mon lava, il est mort. Mais il est de nouveau là, franchement, avec le satyre, il n'y a plus de suspense. Hein. Et 90 gemmes, c'est bien, tu vois, pour faire des gemmes tranquillou. Hop, Reaper qui a été mort un petit peu. Ok. Bon, est-ce que ça a été suffisant? Ah, bah, tu vois, gardien, je vais pouvoir augmenter celui-là? Non, même pas? Ouais. C'est bizarre. Est-ce qu'on a simplement des épreuves et... Bon, je vous dirai très rapidement, va falloir que je teste de mon côté. Au pire, je vais faire une petite pause, je vais avancer dedans et je vous dis quoi. Bon, finalement, les épreuves oubliées, un peu plus coriace que prévu. À peine que je vous ai quitté, il y a le niveau 49 déjà, c'est chaud. J'arrive à résister, mais il y a des effets... Partout, c'est n'importe quoi. Alors, en plus, mon ordi, à un moment, l'application s'est même éteinte sur l'ordi. Il va falloir que je fasse avec mon téléphone parce que là, ça va avec BlueStacks, ça va pas du tout. Il y a des Zephy partout et des Wendigo qui sont immortels. Ils ont dû ressusciter 10 à mon avis, j'arrive pas à les tuer. J'ai les Zephy, c'est une vraie catastrophe. Alors, bon, j'ai mis L pour réussir à les tuer un peu plus vite, ça va. J'ai essayé de mettre Mickaël, mais Super Evo 1, bah, ça le fait pas du tout. Malheureusement, et j'essaie quoi de mettre Marie la sanglante, mais c'est pareil avec Super Evo 18. Elle meurt direct. Pourtant, j'ai mis Feu Sacré 10 et Garde Enflammée, mais elle meurt direct. C'est une vraie catastrophe. Je manque de temps pour tous les tuer. Il y a un moment, bon, forcément, j'ai réussi à avoir tous les bâtiments, j'ai réussi à avoir quasiment tous les héros. Je arrive par ici, j'ai réussi à avoir un Zephy ici, j'ai réussi à quoi avoir d'autres héros. J'ai réussi presque à tuer le Zephy ici et j'ai pas le temps de redescendre, tuer le dernier. Et plus les Wendigo qui veulent pas mourir. Franchement, c'est déjà chaud. Je me suis un petit peu emballé, mais ça n'a pas été évident. Il faudrait que j'ai plus de puissance de frappe, mais mon Zephy là, il met des coups par 400 000, ça fait rien du tout, il récupère de la vie en un rien de temps, et... Ouais, bon, finalement, c'est pas plus mal, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que les gardiens, on ne peut pas les monter. C'est niveau max, toujours. Donc, c'est bizarre. On a une nouvelle ressource aussi qui a apparu pour les talents de titre, mais je crois que c'est simplement la ressource. Allez, où elle va être dans le fond, simplement la ressource, mais pas encore, voilà, on a ça. Ballon, j'ai fait un mix mauvais entre badge et talent, badge de talent de bataille. Voilà, mais en vrai, il n'y a encore rien de disponible par rapport à ça. De mon côté, j'ai rien en attente, ça n'a rien changé, donc je sais pas trop. Talent de titre, ok, mais et après? Bon, je sais pas, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore présent dans le jeu, voilà. Bon, on a le talent comme c'était dit aussi ici, voilà, hop. Là, je vais, c'est pas encore sur qui, augmente attaque de 93%, c'est pas vilain, vitesse d'attaque de 47, c'est assez énorme. Et restaure des PV équivalent à 78% d'attaque.
Donc c'est beaucoup, mais comme on m'a fait comprendre dans les commentaires, c'est 78% de l'attaque normale, enfin je veux dire d'une attaque de base, donc ça va pas récupérer quasiment toute ta vie en un coup. Ça serait complètement cheaté là, tu vas pas récupérer 100% de ta vie. Tu vas récupérer 100% de vie d'attaque par rapport à tes 4000 ou 25000. Genre t'as ton héros, là genre celle-là, hop, voire plus, j'ai 11 000 plus 50. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de vie, hein. Ça fait 70 000 quasiment. 70 000 d'attaque, donc je vais récupérer 100% de 70 000. Donc à mon avis, bah, ça sera multiplié par 2 et tu vas récupérer ça, si je me trompe pas. Si. Oui. Si je me trompe pas, voire plus. Ah! Ouais, bah, du coup, voilà, détail. En attaqué, 54 000. Je crois que c'est le résumé des bonus d'attributs, c'est le complet. Donc ça est 54 000 en tout, donc tu as récupéré 100% de 54 000. Voilà. Donc c'est bien et sans être cheaté. Je sais pas exactement sur quel héros je vais pouvoir mettre ça encore. J'ai pas vraiment réfléchi. Mais restaure des PV, c'est bien, ça fait de tout. Donc c'est très complet comme talent. Et l'enchantement cette fois-ci, je vais pouvoir vous le montrer. Ici, ici, voilà. Celui-là, emprise spectrale, après l'instinct du spectre. Donc c'est pas mal, on va regarder au niveau 6, gagne 66% de PV pendant la bataille, c'est pas vilain. Quand attaqué, retire 65% d'énergie aux héros ennemis proches, réduit aussi leur attaque de 23%. Par contre, la réduction d'attaque, elle est pas ouf, 23%, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Ah oui, aussi, on a eu les petites récompenses là. Donc c'était très bien, et aussi grâce au Blitz, j'ai enfin eu un Conviction Sainte de côté. Voilà, je vous parle de ma vie en attendant, donc c'est super. Mais malgré tout, j'ai un Spectre 5 de côté. Là, je sais pas si je vais le mettre sur un des nouveaux héros, si jamais j'en tire un. Donc je suis pas mal du tout sur mes héros à part ça, donc c'est quand même... Je sais quand même pas trop quoi faire. Là, ça j'ai ça, j'ai ici, ça. Donc c'est pas vilain. Alors, je sais même pas où le mettre, mon instinct du spectre. Là, le Conviction Sainte 5, il va aller sur Phobos, donc ça c'est sûr. Mais là, j'ai ça sur Zephy. Donc c'est déjà pas mal. Et j'ai un autre instinct du spectre sur la chasseuse aussi. Donc bon, ça me fait quand même déjà deux héros avec un instinct du spectre. Et le lava, moi je lui ai mis le marteau, parce que je savais pas. J'en ai eu plein des châtiments punitifs. Donc je lui ai mis ça. Voilà. Sinon, de quoi d'autre pour la mise à jour? On a. On va aller vérifier vite fait ça. Nouveau héros, remarque, nouveau héros, nouveau talent, nouvel enchantement, nouveau skin, on a vu. Ok, Narcia, massa, interface d'information, Narcia, talent de bataille ajouté. Ah, c'est pour le monde de Narcia, du coup, les talents, peut-être, qu'on a débloqués. 12 étapes oubliées, fonction ajoutée, besoin en puissance adaptée pour les joueurs en ligne de défense. Ouais. Ajustement, récompense de forteresse hostile. Et guerre des guildes. Ah, donc c'est bien, on va peut-être gagner un peu plus de gloire, il faut voir, nombre de placements augmentés. Amélioration multiple. Voilà, du coup, c'est pas une si grosse mise à jour, il n'y a pas grand chose. Bon, on peut s'amuser un petit peu avec les épreuves oubliées. Mais c'est surtout le deux héros et deux héros qui ont l'air bien utiles, surtout l'autre qui est disponible en gemmes. Bon, de mon côté, j'ai des gemmes de. J'ai des gemmes, mais. Je vais attendre plutôt un événement du genre. Avec les pioches. Je pense attendre un événement avec les pioches ou un collecteur de héros. Pour faire quelque chose d'utile. Là, je pourrais pas faire grand chose. Voir les récompenses. Oui, bon. Y a rien de ouf. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour les gameplays que je pourrais sûrement en faire demain. Et au niveau GDG. Ah, bah, récupérer bataille de torche. GDG. Ouais, pas bah, vite fait les points. Là, on a tombé contre des équipes qui ont lâché l'affaire dès le début. Il y a même les premiers. Ils n'avaient pas spécialement de surchauffe ni de défense. Bon, c'est dommage. Bon, c'était cool, mais. C'est dommage. Voilà, allez, tchuss!